Bonjour à tous, allez les cerveaux, salut, on se retrouve pour l'épisode numéro 28 de notre Let's Play consacré au launcher Fist the Beast et plus particulièrement au modpack Minecraft qui est actuellement sur le serveur. Je démarre sur cette image là puisque ça c'est un petit cadeau que vous avez dû voir dans la vidéo de Vince Gamer alias Warlick qui a une chaîne YouTube. Je crois que j'ai mis d'ailleurs sa vidéo dans la playlist du Let's Play, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Parce que les gens du serveur m'ont fait un petit cadeau pour mes 300 abonnés. Enfin, un petit cadeau, un beau cadeau pour mes 300 abonnés, où ils avaient fait un mur, plein de petits panneaux. Il y avait un feu d'artifice derrière, mais qui n'est plus là. Et je tenais à les remercier et à vous remercier aussi tous. Profitez de cette occasion pour vous remercier tous de vous être abonnés, de regarder mes vidéos, etc. C'est un bonheur. Continuez, hein. Surtout n'arrêtez pas. C'est toujours agréable de savoir qu'on est regardé. Et aujourd'hui, on va faire un épisode un peu atypique. Enfin, pas spécialement atypique. On va visiter un peu le serveur. On va regarder un peu comment on a avancé sur la base. Et on va parler de ce qui va être fait dans le prochain et les prochains épisodes. Alors, entre-temps, je me suis crafté une Gravity Chestplate, Nano Suite Helmet, Quanto Suite Legging, Quanto Suite Boots. Donc tout ça, je l'ai fait hors caméra parce que je l'avais déjà fait avec vous. Lavage rat également. Donc ça y est, je suis stuffé correctement. J'ai rajouté quelques panneaux solaires là-haut. Je suis pas encore passé aux Ultimate, je suis toujours aux Advanced. Là, vous avez la salle des coffres, donc qui est devenue une extension de... Alors, j'ai réussi à finir les deux toitures. Je remercie d'ailleurs les joueurs du serveur qui m'ont filé des rubis et des pierres bleues, dont je me rappelle plus le nom, ça doit être des saphirs. Là, vous voyez des panneaux solaires de Red Power, puisque j'ai fait mon système de tri sur Red Power. On va faire un petit tour. On va y passer en vitesse. Je vous expliquerai tout ça lors du prochain épisode. Mais vous voyez, là, tout est rangé correctement. Et bon, je dois encore rajouter des barrels. Mais tout est rangé correctement par item. Et, miracle, si vous regardez ici, vous voyez, ça monte tout seul. Enfin, si ça veut, vous regardez la gunpowder, voilà. Vous allez voir que, déjà j'en monte pas, et ça monte tout seul. Tout simplement parce que en dessous, là on va juste y passer, vous avez un système de tri complet, qui trie tout dans les barrels, qui traite tout. Donc je suis en train de finaliser tout ça pour vous donner une version vraiment optimisée, parce que j'ai dû beaucoup tâtonner pour arriver à un résultat correct. Mais lors du prochain épisode, j'aurai finalisé tout ça et je pourrai vous expliquer tout ça correctement et tranquillement. Il a été rajouté là-bas un spawner à creeper que je vais éteindre, parce que comme vous l'avez vu, je manque pas trop de gunpowder. Donc je vais l'éteindre pour le moment. Bon, je l'ai fait avec Soul Shard. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, à regarder le tuto. J'ai fait une vidéo rien que pour ça. Et donc tout est brûlé. Une fois que c'est brûlé, ça va directement dans une obsidian pipe qui va dans l'ender chest et c'est rangé dans les barrels. Voilà pour ça. Ici, vous avez le début de la salle des fours. Donc comme vous voyez, pas beaucoup d'originalité. Bon, il y aura d'autres choses qui vont se greffer à ça plus tard, mais pour l'instant, on n'en est que là. En sachant que j'ai pas eu trop le temps de jouer, j'ai quelques petits problèmes de santé, puis pas vraiment le temps en plus. Ici ce seront les fermes. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui on allait faire un tour. Déjà on va voir qui est connecté. Ne sont connectés que Falcon et Buzz qui sont sur Mumble en train de discuter. Mais bon, pour tourner la vidéo, j'ai voulu m'isoler. On va aller jeter un coup d'œil chez Falcon et Buzz puisqu'ils habitent ensemble. Donc vous pourrez ainsi voir, non, la maison de Buzz est là, donc son portail doit être là. Son livre, pardon, doit être là. Hop. Excusez-moi, je fais plusieurs choses à la fois. Voilà. Hop. Allons-y. Ah oui, et pour aller chez lui, il faut reprendre la portail. Voilà. Donc là, vous avez... Ah tiens, il a fait un tank. Vous avez donc son tank et ses machines, enfin leur tank et leur machine. Et ici, vous avez la structure de leur base. Alors, je vous le dis tout de suite, un Buzz, c'est un fou dangereux en architecture. C'est très joli ce qu'il fait.
Bah ça se voit d'ailleurs. Je vois qu'ils se sont fait un chemin en fond d'éclairage à la lave. Je me méfie. Je vais essayer d'éviter de me faire tuer. Ah, il doit être en train de ramasser de la terre quelque part. Mais je les vois pas, c'est marrant parce qu'ils sont connectés tous les deux, je les vois ni l'un ni l'autre. Si, j'entends. Ah bah bien sûr, j'ai loupé mon coup, mais j'ai la gravie. Bah c'est marrant, je le vois pas. Ah, il est peut-être au-dessus en train de retirer ses... Ah, il est là-bas. Tourner, je vais rajouter de la terre. Il va criser. Allez, hop. On va plus avoir de batterie sinon. Donc vous voyez une superbe maison qu'il a faite. Voilà, il est en train de retirer toute sa cobble. Ah, c'est des machines là-bas. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est Buzz qui s'occupe beaucoup de l'architecture et Falcon beaucoup des machines. Donc là il s'est fait. Ah oui, ça je vais vous en parler des Tesseract. Ça va être l'occasion d'une vidéo aussi, puisque c'est une évolution de thermal expansion qui est géniale. Il s'est fait un iron tank dans lequel il n'y a rien pour le moment, mais apparemment, à ce que je vois... Ah oui, c'est des magma crucible, donc il veut produire de la lave en quantité. Wow! Je réponds à la question qui m'est posée. Pardon. Oh, je vais y arriver. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Donc, ils ont une ferme à bois, une ferme à blé. Donc, ça va, c'est quand même assez évolué en termes de machines. Un liquide transposeur ici, magma crucible. Donc, ils commencent à être bien équipés. Donc, ils n'ont pas fait dans le solaire, ils font dans la lave. Pourquoi pas? Bon, on va aller visiter un autre monde en attendant. Chez qui pourrait-on aller? Chez qui? Overworld. Ah, on peut aller voir chez Gadon Force, tiens, parce qu'il a fait des trucs très sympas. Gadon Force, ça doit être par là. Non, c'est là. Gagné. On monte sur son four pour aller à l'étage. Et là, l'originalité, je vous en ai déjà parlé, c'est que son portail, il suffit de sauter pour aller dans son monde. Voilà, nous y sommes. Et maintenant, sa base est ici. Les superbes colonnes. Ah, bah, il y a une alarme. Un détecteur de présence. C'est horrible comme bruit, hein. Là, le son du jeu est très faible, donc vous ne devez pas l'entendre énormément. Moi, je vais le couper complètement. Voilà, il nous évitera de devenir sourd, donc il a à peu près toutes les machines aussi, lui. Ici, vous avez... Ah bah oui, lui, il est en EASU déjà. Donc lui, il a son EASU, ses EASU et ses Matter Fabricator. Vous voyez, il stocke de l'énergie. Je devrais en profiter d'ailleurs s'il en a un de plein pour recharger ma gravie. Ah bah non, vous allez voir qu'ils sont tous vides. Donc la spécificité de l'EASU, c'est qu'il peut contenir 100 millions d'énergie. Non mais ils sont tous vides. On va le mettre en charge quand même, on va bien voir. À quelle vitesse ça se remplit. C'est pas terrible. Donc je sais pas à quoi il est relié là actuellement, mais...
Il doit avoir des petits soucis de stockage. C'est pas beaucoup d'énergie. Hop, voilà, on va y arriver. Bon, 32%, ça devrait aller. Donc là, il a une partie de son stockage. Ici, ce sont, ah ben, c'est son portail de retour vers sa maison dans l'Overworld. C'est un mur d'industriel centrifuge, un peu dans l'esprit de ce qu'Eto a fait. Ben, ça doit être sa salle des machines, là, puisqu'il y a un peu toutes les machines. Ah, ça, il faut que je vous en parle. J'en ai une aussi, c'est une crafting table. Elle se craft avec 8 tables de craft comme pour faire un coffre et avec au milieu un item dont je me souviens plus du nom mais et c'est pas dans NEI donc je pourrais pas vous le donner. C'est un item qu'on a dans Twilight Forest. Alors la spécificité d'une crafting table, c'est vous avez par exemple une pioche en diamant. Pour la réparer, il suffirait que vous voyez je remette un diamant. Mais si je voulais par exemple, là c'est une hache en tomium. Vous voyez, il y a le craft ici. Pour la réparer, donc simplement remettre un lingot de tomium. Et trois niveaux. Si je voulais changer les. Je voulais la faire en diamant, je pourrais très bien la changer. Comme là, je pourrais faire l'inverse, tout en gardant les enchantements. Donc il suffirait que je mette trois diamants là pour refaire une. Pour garder mes. Enfin là, elle n'est pas enchantée, mais si elle est enchantée, pour garder mes enchantements, la réparer. Et c'est génial. Franchement, l'uncrafting, c'est bon, c'est génial. Et ça vous permet entre autres de faire passer l'enchantement sous le stealer. D'une Vils World à une épée en diamant, comme je l'ai fait moi. Donc là, vous avez ces assembly tables. Il a fait ça sous forme de village, je trouve ça assez joli. Là, c'est sa salle des fours. Et ce que je trouve très designé, très recherché, sont ses spawners. Parce qu'il a utilisé lui aussi le mode Soul Shard. Et vous voyez, il a fait vraiment un univers pour ses spawners. Donc un spawner à Blaze ici. Spawner à squelette là qui est pas allumé. Ces portails. Spawner à creeper et spawner à enderman. Donc faudrait que je lui demande d'ailleurs comment il a résolu le problème du TP des endermen. Parce que c'est une réelle problématique pour nous. Traxxas avait la sienne et il n'y avait pas moyen, il n'arrivait pas à se TP. Donc et là c'est donc son énergie, mais. Ah oui, il y a trois panneaux solaires ici. Mais, ah oui, d'accord, il a retiré le toit. Voilà pour le petit tour de chez Gadon. Donc on rentrera peut-être on y reviendra peut-être une fois plus dans le détail de tout ce qu'il a fait. Puis vous voyez, il y a encore pas mal de trucs là en dessous. Hop, on rentre à la maison. Alors depuis quelques jours, j'ai des petits problèmes de chargement de chunk. Je ne sais pas d'où ça vient. Certainement pas du serveur, mais. C'est assez surprenant quand même. Il fait nuit. Chez qui on pourrait aller faire un tour? Chez Marion. La marionnette. Qu'on n'arrête pas d'embêter, mais qu'on aime beaucoup. Je profite de cet épisode, tiens, parce qu'on parle. Je pense à Marion, mais je pense aussi à Zephyra qui est sur le serveur. Je profite de l'occasion de la vidéo si elle la regarde. Pour que lui dire que tout le serveur lui envoie un gros bisou et qu'on lui souhaite tous un bon rétablissement et qu'elle aille très vite mieux et qu'elle puisse venir nous rejoindre pour nous embêter. Voilà, donc là vous avez la salle des machines de Marion. J'aime bien le design, je trouve ça assez joli. C'est simple mais c'est propre. Là ça va être sa salle des coffres mais c'est vide. Ah, quoique non, on dirait qu'elle a posé des barrels. Voilà, elle a commencé. Elle triche sur moi. Et à côté, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Bon, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Mais je trouve sympa ce système de bâtiments qui s'empilent les uns sur les autres. Et elle a utilisé des fermes automatiques, donc à bois et à blé, mais par l'intermédiaire de Sifkart, le mode. Vous voyez, hop, le kart vient ramasser le blé et il le replante. Et ça fonctionne de la même manière ici pour le bois, sauf que là apparemment il n'y a plus de sapling puisque. Ouais, voilà, il y a du fioul. Mais apparemment elle n'a plus de graines. Ah, c'est pas le même bois. On va tenter la chance quand même, on va en mettre un stack. Hop, elle nous en voudra pas. On va cliquer. Oh, si je fais ça avec le bouquin, ça va pas fonctionner. Vas-y, arriver. Voilà. Où est-ce qu'on. Ah bah je l'ai perdu.
Je vais me mettre devant. Ça l'arrête. Magnifique. Est-ce que c'est là qu'on le met? Oui, le fuel est là. Là, c'est le woodcutter. Donc, c'est là qu'on doit mettre le bois. Et on va regarder dans le side chest. Ça doit être là. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Non. Donc, c'est pas là. On est reparti. Hop. On l'arrête à nouveau. On va mettre ça ici. Ah bah vous voyez, ça y est. Donc il va poser les saplings et dès qu'un arbre sera posé, il va venir couper l'arbre. Et elle récupère le bois ici. Elle va m'en vouloir à mort parce que je c'est pas le même bois que ce qu'elle... Bon. Enfin bref. Donc c'est entièrement automatisé puis ça fonctionne très très bien. Moi je trouve ça mignon. Voilà, sinon, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, elle s'est mise aux hybrides. Donc vous voyez, elle arrive à faire des fleurs d'un peu toutes les couleurs. Alors les hybrides, on n'en a pas parlé du tout. Traxos est passionné par ça aussi. En fait, avec des plantes déjà existantes, vous pouvez créer des plantes qui n'existent pas dans le jeu. Donc là, ce sont des fleurs noires, là, des fleurs mauves. Là-bas, des fleurs violettes. Donc il y a vraiment des possibilités infinies pour aller jusqu'au café. Avec une spéciale dédicace pour Traxos qui essaye depuis des semaines, voire des mois, d'obtenir du café et qui n'y arrive pas pour le jeu. Mais ça aussi, on en reparlera, donc ça fait beaucoup de choses dont on doit parler. De toute façon, ce let's play n'est pas prêt de terminer parce que quand on voit tout ce qu'il nous reste à faire et tout ce qu'il nous reste à dire. Voilà, bah, je voulais surtout vous remercier donc, pour ces 300 abonnés. Donc ça fait un petit moment que c'est passé maintenant, mais je vous dis, ayant eu des soucis... J'ai pas pu tourner trop de vidéos, donc là ça va reprendre un peu plus rapidement. Au prochain épisode, on s'occupera de la salle des coffres et de vous expliquer le système de fonctionnement de tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, on va évoluer, avancer dans les projets et dans l'évolution du serveur. Puis on ira visiter quelques autres maisons. Écoutez, Alessar vous salue bien bas. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à venir nous rejoindre, vous allez voir, il y a une bonne ambiance. Vous pouvez aussi postuler pour le serveur, puisque les candidatures sont toujours ouvertes. Donc, si vous souhaitez postuler, c'est un minimum une présentation de vous, une présentation de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous savez faire. Nous donner votre âge, voilà. Mais soyez, plus vous serez exhaustif, plus vous aurez de chances d'être accepté. En sachant qu'on a accueilli encore 4 nouveaux joueurs ce week-end. Nous sommes maintenant un peu plus d'une vingtaine. Que ça se passe super bien, qu'il y a une très bonne ambiance. Et j'espère qu'il n'y a pas de raison que ça durera encore longtemps comme ça. Voilà, bah, je vous dis donc au revoir et je vous dis à ciao ciao et à la prochaine fois.